Donc voilà, hein, là on est donc, dans les abris sous roche là. Et on voit bah, tous ces bouts là, tous ces gros morceaux qui sont tombés, sont des bouts de façade. Donc d'un côté ils sont sculptés parce que c'était à l'intérieur de la grotte, et de l'autre ils sont plus érodés parce qu'ils étaient donc à l'extérieur de la grotte. Mais tout ça sont des morceaux de l'ensemble. Tout était façonné. Et donc ici, ben, on a de tout comme marque. On a des marques d'extraction, on a des marques qui correspondent à des comme des ustensiles hein, dans les habitations. Donc des petites niches. Voilà. À gauche, là, on voit des belles niches. En fait, ce qui est joli aussi ici, c'est que tout ça, c'est dans une matière. Alors, je sais plus le nom. Si je vous le dis, je vais dire une bêtise. Donc, c'est un truc très sablonneux. Hein, on voit là, c'est comme du sable. Donc, ça doit être une roche assez pas trop dure quand même. Voilà. Donc là vraiment, hein, faites attention. Enfin, faites attention. En même temps, c'est la fatalité parce que on fait pas vraiment attention. On marche. Donc là, on marche et on photographie, on se promène. S'il y a un rocher qui tombe, on n'a aucune chance de l'éviter s'il nous tombe vraiment dessus. Donc autant tout à l'heure dans la roche là qu'on a vu, il n'y avait aucune trace d'outils, mais ici il y a plein de traces d'outils, de petits pics. Donc un peu dans tous les sens. On continue là sur ce grand plafond, on en voit plein. Au mur également. Voilà, donc des petits coups, c'est des petits pics, hein. C'est vraiment des, là c'est des petits outils. Donc ici en façade on voit les premières encoches ou peut-être hein. Je garantis rien, mais peut-être il y avait des poutres en bois qui supportaient un toit et venaient prolonger les abris. Et au-dessus, mais alors bien au-dessus, hein, 5-6 mètres au-dessus et à environ 8 mètres du sol, il y a une autre ligne avec d'autres trous carrés ou rectangulaires. Et là, on voit que ça monte bien abrupt. Alors, je vais avancer tout droit dessus et vous laisser entrevoir ou imaginer une sorte de, je sais pas, de tête, de tortue. En tout cas, moi j'y vois une tortue. D'autres y verront un singe. Et là, hop, ça y est, ça ressemble plus à rien de ce côté. Donc ce qui est marrant sur ce truc, c'est que c'est un bout. Je sais pas, moi je le voyais comme ça. Comme un bout tombé de la falaise.
qui était travaillé, donc comme on l'a vu tout à l'heure, avec l'intérieur du rocher. Et au-dessus de ce bout tombé de la falaise, ils sont venus construire une petite tour. Alors, je sais pas de quand ça date, cette tour. Mais l'intérieur de ce rocher est sympa. Et moi, je pense que c'est un bout du rocher, comme tous ces autres bouts. Voilà, la falaise est juste là, et puis de toute façon on voit bien la couleur beige de la falaise, qui pour moi, ben, c'était ce qui était à l'intérieur. Le reste est grisé de toute façon. Ce sera peut-être pas évident pour tout le monde, hein. On voit pas tous les mêmes choses. On imagine ou on n'interprète pas les choses de la même façon. On n'a pas tous les mêmes infos non plus. Les infos qu'on a d'ici, c'est que c'était une. Bon, il y a des abris néolithiques, donc ça fait quand même là très très vieux. Et puis après, il y a toute une histoire aux alentours de 1200, quoi. Mais entre les deux. Pendant plus de 3200 ans, bah c'est comme s'il n'y avait rien qui s'était passé, quoi. Donc je trouve ça toujours un peu étrange, et pour moi il manque un petit bout peut-être de l'histoire, ou je sais pas. En tout cas ici on a l'impression que d'avoir une autre forme, avec carrément un œil, un nez, super joli. Donc là, on voit bien quand même que tout ça, c'est pas incliné de la bonne. C'est pas incliné de la bonne façon. C'est des pièces qui sont tombées, mais qui possèdent quand même des formes qui appartenaient à un ancien ensemble. L'ensemble, on l'imagine plus, mais enfin, on peut quand même se l'imaginer. C'est toute la façade de la falaise qui est tombée, quoi. Donc nous on voit des grandes grottes ouvertes au rez-de-chaussée, plutôt carrées ouvertes, mais en façade en fait il devait y avoir que des sortes de petits trous. On va retourner se balader là-haut, mais là on arrive vers autre chose. Donc là on est plus sur des cuves, système de cuves. Avec différents niveaux. Des baignoires. Et on voit des trous qui communiquent là. Ça, c'est comme des bassins de décantation ou des choses comme ça. Et ici, encore une fois, on voit tout le rocher creusé. Ouais.
C'est une sorte de bassin, quoi, ou de... avec des encoches ici. C'est pas trop. Ce site est immense, hein. Il y a 58 grottes. En fait, il y en a 116. Il y en a 58 dans le cirque. Et donc, j'imagine 58 à l'extérieur. Alors là, c'est un des plus beaux endroits du site pour moi, là. C'est cette porte. C'est cette grotte et cette porte. Et on peut peut-être imaginer à partir de ça à quoi ça ressemblait à l'époque justement. Donc là on voit des blocs qui ont été posés, une partie qui a été creusée dans le rocher, et après des blocs en haut qui ont été posés eux. Ce sont des très gros blocs et qui ont été bien alignés, hein. Bien travaillés, bien posés, bien alignés. Cette porte est magnifique. On voit sur le côté l'escalier. Et donc qui devait monter quand même à un étage, hein, parce qu'on voit donc tout ce premier étage qui est travaillé. On voit encore de tout là à l'étage. Hein. Des niches creusées. Là-bas plus loin il y a une grotte. Donc au premier étage. On voit ici. Donc les grottes du rez-de-chaussée. Toujours pareil avec des niches partout. Tout est cloisonné, séparé. Alors ils disent qu'à une époque il y avait 200 habitants qui habitaient ici. Je crois que c'est au 12e siècle. Donc ceux qui travaillaient à la construction du château et puis les villageois autour du château ont hérité des anciennes carrières de pierre pour y faire leurs habitations. Voilà l'histoire. Tout ce cirque aurait été donc une carrière de pierre. En haut, le château. Et en bas, c'est vraiment un endroit super bien ici. Il y a de tout partout. Il y a pas mal de marques. Pas mal de formes. Puis tout ça est très doux quand même. Très, très smooth. Là on voit une sorte d'arrière-salle. Là on est environ au milieu de ce qui pourrait être le milieu de la falaise. Donc est-ce que cette pièce avait quelque chose de particulier? On voit quand même il y a des symboles ou des choses qui ne trompent pas trop. Il y a quelque chose au milieu où on aurait pu mettre une idole et autour des choses pour mettre des bougies. On a encore le 3. 1, 2, 3. Et puis beaucoup de traces noires là au plafond. Alors est-ce que ce sont des enduits? Parce que dessous je vois des traces roses. Donc on connaît les enduits roses aussi d'une certaine époque. Mais par contre les traces noires là, très goudronnées. On voit certaines qui suintent presque. Alors soit il y avait un feu, une sorte de feu éternel ici. Ah ben là il y a carrément une représentation mais moderne, hein, d'une sorte de vierge ou voilà, une dame blanche en tout cas. Ici voilà, bon on voit, moi je pense qu'ici c'était le centre du village ou du sanctuaire.
Genre des silos de stockage ou pour l'eau peut-être. Oui, c'est vrai qu'il y a des, de toute façon, il y a des traces qu'on comprend toujours pas trop, hein. À quoi servaient ces encoches un petit peu profondes comme ça, très rectilignes? C'est bien fait, hein. On voit des traces d'outils. Bon, il faut aller le passer, l'outil là-bas au fond, mais non, non, ça va. Mais à quoi ça servait, ça je sais pas. Beaucoup beaucoup de niches et de choses que qu'on n'est pas la fonction. Hein. Il y a aussi ces crochets au plafond. Bon, ça, il y en a partout. Crochets en pierre au plafond pour suspendre les choses, quoi. Encore à là. Encore à là. Voilà. Voilà. Et ici, toujours des traces noires. Hein. Il n'y en a pas partout non plus, quoi. Alors, est-ce que ces pièces avaient une certaine utilité, comme un petit magasin ou un restaurant, un grilladou? Et là, en haut? Ouais, en haut, on sait pas trop. Il y a encore des traces. Rectiligne. Oui, plus large et plus creusé, quoi. Comme à Hein, côté quasi aussi, le. tu vois, le truc à côté, Comme à là, côté, ce. il Oui, ça. est vraiment. Un. De toute façon, toutes les traces là au mur se ressemblent. Donc on peut dire qu'elles ont été faites à la même période, hein, à mon avis. Elles se ressemblent toutes. Mais alors voilà, donc on revient sur ce parti que j'aimais beaucoup. Et là, à l'intérieur, ben là pareil, on voit peut-être ce qu'était l'emplacement d'un feu, avec au-dessus le noir, et donc peut-être la cheminée, ça devait partir par là. À l'intérieur, et ben on voit ces blocs qui ont été quand même bien posés avec un petit décroché même ici. Et ici, voilà un autre bloc. Et avec aussi la marque de la porte. Voilà. Avec carrément les trous pour fixer la porte. Voilà. Donc ouais. Toujours ces mêmes traces, ces mêmes effets. Est-ce que c'était pour orienter l'eau de pluie, pour on sait pas. Ici sur la paroi là, on voit plein de petits trous. Et effectivement, qu'aurait pu être comme des marches. Alors, moi je dis si c'est des marches, c'est quand même pas pour des petites personnes, parce qu'elles sont déjà très espacées en largeur, quoi. Si c'est la largeur pour mettre des pieds, moi si je mets mes pieds là-dedans, j'ai les jambes écartées, quoi. Les pieds et les mains. Donc je fais voilà 1,70 m, mais si je mets les pieds là-dedans, enfin si c'était des trucs pour mettre les pieds et les mains, personnellement je les aurais fait un peu plus rapprochés l'un de l'autre. Donc pour moi, bah voilà, ça laisse supposer, si c'était pour des hommes, à des gens un peu plus grands que nous, quoi. Donc là on est passé sur la façade d'en face.
Oh bah de l'autre côté c'est pareil, hein. On a les mêmes. Les mêmes sortes de choses. Et au-dessus, voilà, vous voyez tous les. Tous les trous. Ce qu'on pourrait appeler la toiture du premier étage. Et au-dessus, peut-être une autre ligne avec ce qui était le deuxième étage. Je peux pas certifier. Et ici, ben, tout le long, il doit y avoir d'autres abris. Et il y en a qui sont contents d'être déconfinés là aujourd'hui. Toujours ces entailles profondes un petit peu là, comme ça. Il y en a en bas. Il y en a en haut. Et on voit cette croûte un peu qui est partie. Ici, là. Et qui laisse dessous cette matière un peu de sable. On voit aussi tous les petits trous, là. Donc ça, c'est de l'érosion, hein, je pense, parce que c'est une matière assez, assez friable. Je pense pas que ce soit des marques de pique, ou à moins que ce soit les marques de pique, mais sans la petite couche dure. Donc du coup, ça fait des marques plus rondes. Mais oui, oui, ça pourrait être les marques de pique en fait. Ça doit être ça, ouais. Là, on voit une pierre avec pareil ce genre de trous là, qu'on a, qu'on suppose être les emplacements des piliers pour mettre le toit. Mais ici, ce morceau, ben les poutres sont un peu basses à mon avis, si c'est pour mettre des poutres. Ou à moins que ce morceau se soit complètement décroché, soit tombé. Non. Je sais pas si ce bloc est tombé, vous, droit comme ça en glissant. Et que normalement, donc du coup, ces trous étaient aux premières. Mais je pense pas, non, non, bah non. Parce que là, il y a une autre grotte à côté, quoi. Non, non, donc en fait, ces traces de, entre guillemets, poutres, sont à 1 mètre du sol, quoi, maximum. Et ici, on a deux grosses grottes. Quand même. Ouais, elles sont belles. Avec une niche en large. Toujours des traces noires. D'un emplacement du feu. Et ici, voilà, bon, on a des grandes ouvertures entre les grottes. Et une autre grotte ici. Une fenêtre. On a une chance d'avoir de la musique aujourd'hui. Je plaisante, hein, bien sûr. Hop, là on a des. Là on a une sorte de queue. Devant une grotte. Et avec ici une autre queue. Ouais, de nouveau. Hop. Et là donc voilà, d'autres caves, toujours pareil. Bon, les hauteurs sont à 2 mètres 40 de plafond. Vous voyez, ouais, 2 mètres 40. Là on a des trous qui remontent à la surface.
Donc peut-être que certaines de ces grottes étaient vraiment bouchées avec à la limite une petite fenêtre toute petite, voire pas de fenêtre du tout pour certaines pièces, dépend de l'utilité. Et là encore, bah, tout ça, oui, hein, on voit, hein, tout a été vraiment, tout est aménagé, toute la falaise. Encore des trous. Des niches magnifiques. Et donc là on arrive sur une autre partie, on va monter vers l'ancien château et on voit là donc ces escaliers taillés dans la roche. Et il va y en avoir toute la montée de ces escaliers. Donc là on voit un petit tout petit abri. Donc on sait pas, peut-être une tombe, hein, parce que là, ou alors juste un lit. Juste la place pour dormir pour une personne. Et là, bon ben voilà, on va monter au-dessus de cette petite colline. Là, ici, on voit des choses comme ça, des mini baignoires là, hein, avec. Ils devaient servir à quelque chose. Tout ça, c'est taillé. Et donc là c'est là-haut qu'on va. Je pense qu'il y avait un petit chemin sur la gauche là. Ou alors si on continue là-bas. Ah, regardez ça. Là c'est pareil. Un morceau qui est tombé de la falaise. À l'intérieur, c'était tout travaillé. Alors, malheureusement, pour tout ce qui est inscription et tout ça, vous avez vu que ça se décroute très facilement. Là, on a plusieurs choses là. Parce que ces marches là, pour être des marches, ben elles sont un pote hein, quand même. Ou alors c'est les marches pour les adultes et les marches pour les enfants, c'est ça? En tout cas, moi si j'essaie de mettre mes pieds là-dedans, ben c'est haut quand même. Faut avoir des sacrés... Ouais, je sais pas. Ben écoute, pour l'instant j'arrive pas à mettre mon pied sur le... Bon, on a des jeans serrés, mais et encore pas trop, mais ouais, pour monter là-haut. Ouais. Donc là, on est carrément sous le sommet de là où il y a le château. Il y a encore de très grandes caves. Ah, c'est vraiment grand encore. Hein. Alors là, vu qu'on se rapproche du sommet et du château, là on voit des blocs aussi hein, qui faisaient l'entrée et qui participaient à la façade. Le truc, moi je me dis, c'est si là, vraiment des grosses habitations près du château, c'était peut-être les... des personnes un peu plus importantes ou alors des choses comme les militaires qui gardaient la montée et l'entrée du château, donc comme un poste de garde peut-être, parce que là on arrive sur l'entrée et donc encore avec toutes ces marches taillées dans le rocher et des murs qui font la jonction entre les rochers naturels. Là, on a plein de traces qui servaient certainement à guider les eaux. Ça vient d'en haut là.
ça devait couler, ruisseler là, venir là. Ici, ici devait être une... D'ailleurs on le voit encore, hein. On est encore ces enduroises à l'intérieur. Donc à mon avis, là ici c'était fermé. Et tout ça c'était une sorte de cuve. Là on voit encore de l'enduit rose en bas. Là encore une sorte de... Tout ça à mon avis c'était des bassins. Ici là. Qui servaient à récupérer les eaux de tout le rocher du haut. Et donc on voit ça s'écouler hop 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 comme ça ici. Là il y a un petit, petit bassin. Et là-bas, on devait peut-être encore reprendre, vous voyez, enduroses sur le sol. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Donc là encore, dans cette entrée, on voit sur le côté des niches. Là, on en voit trois. Là, en face, pareil. Un, deux, trois. Après derrière nous il y avait peut-être ce qui était les systèmes de fermeture de la porte. Et voilà les premières marches. Et en face pareil peut-être. Système de fermeture. Donc là voilà, juste avant d'arriver au sommet, il y a un petit chemin à droite. Poum, là il y a une petite niche avec une rainure en bas. Bon, je sais pas pour quoi. Et là, si je me rappelle bien, il y avait pareil, il y avait des grottes. Non, une petite... Qu'est-ce que c'est? Donc là, oui. Mais toujours pareil, ça devait être, moi, à mon avis, pour de l'eau, hein, encore ici. Un autre réservoir. Alors, est-ce que ça communiquait avec autre chose? Oui, là, on voit, d'ailleurs, il y a un trou ici. Et ce trou va... Oui, se trouve à là. Donc l'eau tombait de là à là. Là, est-ce que ça passe? Il y a un petit chemin, mais il y a beaucoup d'arbres. Oup là, j'arrive à... Non, non, là, vous voyez, c'est le bord. Hein. Oui, là, on est au bord. Hein. On est au bord. En face, ça a l'air super joli. Mais ici, on est au bord, donc on va se reculer, faire demi-tour. Hop. Donc allez, on revient ici. Et on va aller voir. Donc l'ancienne tour du château, construit sur le donjon. Ah non, c'est la statue de Marie ou de... qui a été construite sur le donjon, je crois. On va aller voir ça, les fondations. Et c'est toujours pareil. Les éléments taillés dans la roche. Oh, waouh! Magnifique. Il est gros, hein. Ouais, il fait 2 mètres le truc. 4 mètres, dit, vu qu'on est près de Marseille. La piscine du roi.
Non, voilà, on sait pas, mais un petit bain, ça aurait été sympa là. Même pour nous. Et ouais, alors en face là-bas, bah toujours, hein. Je pense que c'est aussi, je sais pas, ou juste la colline. C'est joli en tout cas. Ouais, donc ça c'est une statue qui a été mise en 1800, allez, 1846, je vais dire. Et puis je vous confirmerai ça avec un petit bandeau écrit en dessous de la vidéo. Mais c'est ce que je me souviens. Et là, je crois que ça c'était le donjon. Là, il y a des abris. Là, il y a vraiment des abris bouchés là. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a comme un vrai toit en pente façonné à l'intérieur de cette pièce. Et avec plein de marques d'outils, hein. Encore donc des marques partout. Ici, ben, on voit si ça devait être une citerne. Et on voit la faille comme de l'autre côté, donc hein, qui récupère l'eau du sommet de la montagne. Voilà, et ici, ici, on voit bien des blocs plus récents, enfin plus récents, ouais, qui est venu soulager une brèche dans la cave. Toujours pareil, des petits passages entre les deux caves. Et on est donc juste en dessous de la Vierge. Donc ici, on est toujours sur du travail d'excavation, là, je sais pas, hein. Une carrière, encore une maison. Là, on a des marches bien bien érodées qui tombent dans une sorte de canal. Et ici, encore une grande grotte. On communique là-bas. C'est génial.
Donc ça c'est le mur, l'intérieur du mur de la tour. Là on voit, c'est marrant ça aussi. Hein. Des petits canaux comme ça quoi. Dans le mur. Regarde, encore une cave là, à droite. Donc là, il y a plusieurs choses ici. Là, là déjà, il y a cette belle tour. Magnifique, là. Donc on a vu à l'extérieur, ce sont des pierres, des belles pierres, hein, travaillées, rectangulaires. Et à l'intérieur, sur la face du mur, là, qu'on a vu tout à l'heure, des pierres plutôt rondes, un peu de toutes les formes. Et ici, on a encore un truc, belle pièce. Avec des silos. Donc là, bon, là on est en plein vent. Là, ben, à mon avis, c'est pareil, c'était des systèmes ça pour récupérer l'eau. Là, on voit des marches. Alors, ça, c'est bizarre, ça aussi. Là, il y a des marches ici. Par contre, ces marches vont dans la vidéo. Donc peut-être qu'elles continuaient, mais je vais sortir du vent. Sortir du vent parce que hop, et là les silos. On voit partout, hein, à Fort Buoux, c'est. Et là, ben voilà encore la petite rigole qui va dans le trou de derrière. L'eau était vraiment une ressource, la ressource la plus importante. Hein. Et là, sur cette fenêtre. Alors là, on a deux sortes de petits sillons au sol. Un, deux, mais qui servent à mon avis à. Oups! Bon, là, on a deux petits sillons au sol. Et une petite. Cupule ici. Magnifique, c'est vraiment un bel endroit. Alors normalement c'est un endroit fermé au public, hein. Interdiction de venir ici parce que c'est dangereux, parce que les rochers peuvent tomber. Alors vous voyez, le rocher d'en haut là-bas peut éventuellement tomber, oui. Mais ça, c'est fatalité, comme on dit. Là-bas, j'aimerais bien zoomer parce que dans cette grotte, il y a plein de signes étranges. Je les vois d'ici, mais des marques.
Donc on était à l'arche là-bas, on s'est assis à cette petite fenêtre, et en dessous, et bien il y a encore une grotte. Voilà. Encore une belle grotte, hein, avec une fenêtre, un banc. Voilà, du bois pour faire le feu. Punaise. Et alors là, on arrive par l'entrée. Ce par quoi on aurait dû commencer, parce que pour moi c'est la plus belle pièce de cet endroit. Ce rocher est tout simplement incroyable. Des escaliers de partout, taillés dans tous les sens, en bas, en haut, derrière. Vous allez voir ça. Il n'y a pas un bout du rocher qui n'est pas creusé. Et ils arrivaient à laisser des parois épaisses de 10 cm, 15, 20 cm maximum pour faire les retours et les fenêtres. Bon, là, les parois sur le bord sont plus épaisses, pour 60 cm. Et après, les parois du toit. Des petites fenêtres partout. Magnifique. Ce qui est beau, c'est cette qualité de la pierre. Ce toucher doux. Pour ceux qui s'y connaissent un peu là, hein, ou tapez voir sur internet le stuc, ben, ça me fait penser un peu à des enduits comme ça. Tout lissé, ferré. Et alors là, voilà, on peut monter, hop. Et le dessus du rocher qui est aménagé. Entièrement encore. On voit des rebords, des murs. Des murs. Voilà. Là, on voit encore en bas. En bas, ça continue. On va essayer de passer derrière là, de descendre. Donc là, on était là-haut. On voit en fait ce bout qui est par terre là. Tout ce bout qui est par terre, ça devait être ce bout de la façade qui s'est décroché quoi. Et on voit là où il y a les marques de pique. Et là où il y a les marques du décrochage, où c'était la roche. Et c'est tout cet étage qui est tombé en bas, là. Et là, derrière, ben voilà, encore une grotte ici. Et il y en a encore une derrière.
Ah, voilà, là on voit encore un mur. Il y a encore quelque chose de travaillé derrière. Ici, avec toujours une, deux, trois marches. Des traces de piquage au mur. Et voilà. Est-ce que si je descends encore, il y a quelque chose? Mais je ne crois pas. Je crois que le rocher s'arrête. Pas que le rocher s'arrête. Mais je crois qu'il n'y a plus grand-chose. Et alors là, il y a tout un autre système qui redescend l'eau avec des grosses dalles. Et puis tout le long, on va voir là, ces bâtis, les petits murets. Magnifique, belle balade. Manque juste le marchand de glace en haut de Calais, là-haut.